Bonjour, je suis Sophie et je réalise des vidéos sur mes histoires vécues avec la dyslexie. C'est l'été, je repense aux camps scouts et guides qui ont bercé mon enfance et je repense à ce jeu que je redoutais. Alors vous imaginez, toutes des filles, hein, alors pas 10, pas 20, non, 30, 40, 50 filles, hein, autour d'un feu et ça chante et ça s'amuse. Et puis arrive le jeu tant redouté par moi, dyslexique. Le jeu qui est qu'on lance un énorme chansonnier qui tourne autour et quand ça tombe sur vous, vous devez l'ouvrir et sur un air de chanson, vous devez lire le texte d'une traite. Autant dire que c'était la panique totale. Je paniquais. J'aurais dû en parler autour de moi, expliquer que j'étais dyslexique, expliquer que c'était très dur pour moi la lecture, surtout en cas de stress, max. Je panique, je dis rien, dommage, je stresse à chaque fois, je croise les fesses, je croise les doigts pour pas que ça tombe sur moi.